Ça y est, premier spot. Et je t'explique pas la vue du premier spot. Donc on est toujours en Lot-et-Garonne, puisqu'on vient juste de décoller. Et Lot-et-Garonne, la parade, super mignon au coin. J'espère que tu n'auras pas trop de vent. Je me suis acheté deux trucs. Je vais me mettre à l'abri du vent et ça a un rapport. Je me suis acheté un micro pas cher, donc je sais pas ce que ça vaut. Ça, j'espère que je vais pouvoir avoir un meilleur son. Il y a une moumoute, donc j'espère pouvoir ne plus avoir de vent. Et ça, c'est pour toi aussi. C'est-à-dire que quand on se rencontrera, qui que tu sois, on pourra prendre une photo pour moi, pour mes souvenirs. Et si tu en as envie, une aussi pour toi. Donc c'est un Polaroid en fait. Et avec photo instantanée. Donc on fera une petite photo. Je pense à tous ceux que j'ai déjà rencontrés, avec lesquels j'ai pas fait justement, j'ai pas de souvenirs. Enfin, j'ai un peu filmé, mais je veux dire, pas forcément tout le monde. Parce que j'ai un petit album photo qu'il faut que je remplisse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc j'espère que ça me fera. Alors je vais te faire un unboxing déjà ouvert. J'y pensais en train de me déballer, je me dis ah, pourquoi je ne filmerai pas en même temps? Trop tard. Comme dit Martin, je fais toujours comme tout le monde en fait. Les unboxings, on les ouvre avant. Voilà, je te montre de là où j'en suis. Ça c'est mon appareil Polaroid, donc j'ai trouvé la petite housse. Elle, franchement, elle est sympa comme tout, quoi. On dirait un petit sac à main. Là, bon après il y a le papier. Donc je vais voir comment on le met. J'ai la place là. Ouais, j'ai la place. Tac. Tac. Et bon là, il y a les docs de bienvenue certainement et tout ça. Là, 30% bien sûr, tu as toujours des trucs pour acheter. Et là, la petite boîte où il y a l'appareil photo. Il est comme ça. J'adore le bleu, donc je pouvais le prendre que bleu. Hein. De toute façon, je crois qu'il n'y avait que cette couleur. Ouais. J'arrive pas, tu sais quoi, j'arrive pas. Toujours. Non, ça va. Regarde, j'ai réussi. Je sais tout faire moi. Tac. 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 Tac, il y en a du carton, il y en a des machins, des trucs. Ah, alors là-dedans, il y a un truc. Ça va être la lanière, non? C'est ça? Pas sûr que... Ah, si, si, une lanière comme ça, si je m'en servir. Tiens, ça, je mets là-dedans. Là, la pile. Ben, ça tombe bien. Mon appareil argentique, j'en ai plein des piles comme ça. C'est ça. Ah, c'est la deuxième pile, elle était dans le carton. D'accord. Eh ben, elles sont mignonnes, ces piles. J'ai au moins deux ou trois paires de ces piles-là dans mon appareil argentique qui est dans le fourgon. Super. Donc ça, ça va aller dans l'appareil. La lanière, elle va aller sur l'appareil. Et on sort la bête. Hop. Voilà. Nickel. Trop beau. Attends, je te fais comme ça. Wow, c'est à poubelle. Ah non, 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 je crois que ça a disparu. Tiens. Trop beau, trop beau. Alors regarde, montre les fonctions. Ou alors si tu veux, c'est moi qui le fais. Et là, ben, le magazine. Je vais prendre que la partie française. En général, je m'encombre pas trop. Je veux pas m'alourdir encore plus. Donc, j'ai vu que là, on mettait le papier. Ici. Ça le tient là. Ici, tu as trois fonctions. Tu as le off qui est là. Où ça? Vas-y, Ron. Ici, il y a le off. Là, tu as off, on, selfie. Là, je vois marqué off, on. On, il est comme ça, du coup, ça fait ça. Et selfie, ouais. Ça le monte un petit peu plus. Ah ouais. Tac, voilà, selfie. Et là, en fait, du coup, ce que j'ai vu tout à l'heure, ce qui est génial, c'est que là, tu as un petit miroir et en fait, on voit ce qui se passe. Est-ce que tu vois l'appareil, Martin? Oui, je vois l'appareil, Martin. Ah ouais, 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 ouais. Tu vois? Et en fait, c'est bien parce qu'on voit, voit ce qu'on prend, en fait, du coup. En fait, un selfie, quand on sera comme ça, toi et moi, comme ça, tu en seras. On sera comme ça et on se verra. T'es là, je me vois. Oh là là. Voilà, je me vois plus. Mais tu vois pas la personne avec qui t'es? Non, je vois pas. Mais c'est pas mal quoi. Alors on va le tester bien sûr avec Martin. J'imagine que ce gros bouton là, c'est le déclencheur. Tac tac. Ah oui, alors il y a un gros bouton là. Ça se voit pas, mais. Bouton là. Là, j'ai vu tout à l'heure, on avait vu. Voilà, il faut mettre les batteries. Donc je vais les mettre. Plus, plus. Tac, car, tac. Car, car, car. Plus et plus. Les batteries. Voilà, les batteries sont mises. Oh. Tac. 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 Est-ce que j'ose mettre le papier? Oh, ça y est, ça s'allume. T'as vu? Oui, on le voit. Ça va exploser, c'est normal. D'accord. Peut-être pour dire il n'y a pas de truc. Après, ça met 90 secondes. J'ai lu vite fait que ça mettait 90 secondes pour monter le truc. Ouais. Donc là, je te prends en photo. Mais il n'y a pas de photo. Est-ce qu'il faut attendre ou... D'accord.
Ah bah là, tu vas devoir attendre que ça arrête de faire du bruit, oui. Ouais, c'est ça. Bon, je vais devoir lire le manuel, là, du coup. Tu vois, quand on ouvre, ça s'allume, hein, du coup, pour montrer que c'est ouvert. Et puis après, ben, ça s'éteint, parce que c'est... Voilà. Donc, je vais pas bouffer la batterie. Ah, il y a un petit flash. Alors, le flash, comment il marche? Ah bah, il a marché, t'inquiète. Ah bon? Ah oui. Il marche à chaque fois? Ça a flashé. Ah, ici, c'est pour mettre la petite languette. Quelle langue? Ah. Il y a une petite languette, là, tu sais, tac et tac. Peut-être, ici, le petit, comme ça, je pense. Voilà. À chaque fois, en fait, je te fais l'ombre. Non, quand on fait une photo, j'ai appris, je te fais l'ombre. J'ai appris ça avec les photographes avec lesquels je travaillais. Soit tu as la languette autour du cou, soit il te faut vraiment l'avoir là, au cas où ben, tu le lâches ou quoi. Au moins, tu as toujours une sécurité de le garder en main. Ah, là, tu vois. Donc, ça, je vais le garder et quand je prendrai une photo, ah oui, mais ça va être compliqué quand on va faire des selfies. On s'en rangera, on demandera à Martin. Écoute, je suis bien contente. Ça ouvre le petit truc. Bon, est-ce qu'on met les photos et on se fait une photo? Ou il vaut mieux d'abord que je lise le mode d'emploi? Peut-être vaut mieux que je lise le mode d'emploi. Oui, vaut mieux. Oui. Allez. Voilà, on fait un test et on te dit. Première photo prise, mais elle n'est pas encore tout à fait développée, je crois. Si on commence à voir le bleu, c'est bon, le bleu en haut. Voilà, donc ça donne ça à peu près. Bon, nous on est, enfin moi je suis pas très jolie, hein. Martin, je sais pas ce qu'il a sur le côté, mais il a de l'ombre là, je sais pas trop. Ouais, elle est sympa, ça fait un premier souvenir. On peut peut-être même marquer les trucs là. Ça c'est oui, chouette. C'est fait pour, je pense. Ah bien excellent, excellent. Alors au début, on a pris la photo et il y a ça qui est sorti. Alors on s'est dit, mais on attend longtemps quand même, c'est pas normal. Mais en fait, c'est juste la protection des trucs. Donc oui, effectivement, on aurait pu attendre longtemps. Et tu me diras. Deuxième photo qu'on a prise, j'ai regardé ça pendant longtemps. Regardez ça. J'attendais. Et en fait, de l'autre côté, c'est ça. Et alors là, je l'ai mis dans son petit sac. Il est trop mignon, mon petit sac. Là, on voit le nombre de photos qui restent. Et là, hop, quand tu ouvres là, il est là en fait. Et il est tenu par la sangle là. Et vraiment, c'est sympa, hein, c'est très joli. Alors, c'est peut-être un peu gadget, mais j'espère que ça fera de jolis souvenirs avec toi. Moi, c'est tout ce que je veux, qu'on se prenne des photos ensemble. Et je fais pas de pub, hein, donc je te montre ça. Je te dis même pas où est-ce que je l'ai acheté. Hein. C'est un magasin dans lequel je vais beaucoup. J'adore ce magasin-là, mais je te dirai pas. Je veux pas faire de pub, quoi. Ils me payent pas, merde. Alors là, le micro, vraiment, j'attends rien de ce micro. Je l'ai acheté 10 balles, donc j'attends rien du tout de lui. Donc là, je peux pas te cacher chez qui j'ai acheté tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu te balades tranquille? T'es libre, t'es content, non? Tac, tac. Non, c'est tac. 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 Alors là-dedans, apparemment, il y a plein de trucs. Le micro, une bonnette, une pose. C'est peut-être pour faire des selfies, ça, pour faire avec le téléphone. Et un petit pied pour le micro. Et ça, c'est pour le mettre à l'appareil photo, d'accord. Oh, c'est pas mal. Donc là-dedans, il y a quoi? Les fils et... Oh, une autre moumoute. Oh, une grande moumoute anti-vent. Mais voilà. Voilà ce que je voulais, moi. Voilà, ok. Je veux aussi te dire deux autres trucs sur deux ventes que j'ai faites. Tu sais, nos sacs à dos qu'on avait. On devait partir normalement pour un tour du monde à pied. On avait des sacs à dos 50 plus 10 litres que j'avais mis en vente sur le bon coin. Il s'avère que celui de Martin, je l'ai vendu à un jeune de 22 ans qui, à l'heure qu'il est là, fait son tour d'Asie avec. Il devait partir le lendemain pour prendre l'avion à Paris pour ensuite partir faire un tour d'Asie. C'était le but normalement de ce sac à dos, de partir faire un tour du monde et de passer notamment en Asie. Donc c'est super parce que voilà, le sac à dos a une deuxième vie, une deuxième chance de faire l'Asie finalement. Ça c'est génial. Et mon sac à dos à moi, ça c'est celui de Martin, je l'ai vendu à une jeune fille, une jeune femme excellente, excellente. C'est une baroudeuse donc du coup. Et son pied à terre, c'est une maison qu'elle s'est faite elle-même en 2 ans en paille et en terre. Excellent. Je trouve ça admirable. Donc mon deuxième sac à dos ben, va partir barouder avec elle. Donc je suis en fait très contente de ces deux rencontres. Voilà, je voulais juste te partager ce petit moment mignon. J'ai eu deux personnes super et c'est l'avenir que je voulais pour ces deux sacs. Donc je suis très contente de mes ventes. Allez, je te dis à bientôt. Bisous.